sommes dimanche 19 juillet 2020, il est 9h10. On est levé, enfin je suis levée depuis un petit moment déjà. Il fait déjà très très beau. Bon, ce qui est un peu normal, hein. On est quand même dans le sud et c'est l'été. Voilà, voilà. Il prévoit même... qu'est-ce qu'il prévoit? 32 ressenti 38 cet après-midi. Donc voilà. Donc on va avoir bien chaud. Je m'installe à l'ombre. Si vous entendez des bruits derrière, c'est les propriétaires qui sont la maison vraiment à côté. C'est leur jardin. C'est leur piscine qu'on a accès et normalement que pour nous. Normalement. Et donc c'est des personnes d'un certain âge. Hein. Alors en âge d'être par exemple mes parents, on va dire. Peut-être même, ouais. Enfin voilà. Donc ce matin on prend notre temps, on a pris notre petit déj, j'ai pris ma douche, voilà, on traînaille et tout. Je suis content, j'ai réussi à mettre le premier vlog en ligne. Donc ouais, au niveau de la connexion, c'est très merdique. Même pour... pour certains trucs ça va, mais par exemple pour mettre un vlog en ligne c'est très long. Bon j'ai accès quand même à internet, mais même pour les stories c'est galère. Mais bon, on fera avec. Puis voilà, alors ce matin, enfin aujourd'hui on sait pas encore trop ce qu'on va faire du coup parce que on découvre. On va découvrir, on va regarder un peu, là on a des pistes, on a des prospectus, on a un peu tout. Donc on va regarder comment on va organiser notre journée. Mais de toute façon, on est à la cool. Et la route, là. On n'est pas là pour faire un marathon des visites. On est là pour profiter, prendre du bon temps. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc on va regarder un peu... On a vu... Enfin, moi, j'ai repéré des villages médiévaux. Putain, il y a du passage. J'ai repéré des villages médiévaux, un village médiéval, des villages médiévaux, je pense. Oui, je pense. Et voilà, donc il y a des trucs qui ont l'air assez sympas à faire. Au vu du temps, je pense qu'il serait peut-être préférable qu'on fasse les visites le matin. Ou en fin d'après-midi, je sais pas. Il va faire très très chaud. Enfin, de toute façon, on a des casquettes, on a la crème solaire, tout ce qu'il faut, on a de l'eau. Donc c'est cool. Donc voilà, je voulais faire une petite intro. J'ai l'air un peu bizarre peut-être, je sais pas, mais c'est juste que je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà. Les vacances peuvent commencer. A plus tard. Voilà, nous sommes arrivés au village de Cordes-sur-Ciel. Non, je remettrai mon élastique après, qui a l'air être un village magnifique. Donc Alexis n'est pas venu avec nous, il a préféré rester à la maison, bah écoutez, qu'il y reste. Et ce midi, on va sûrement se faire un petit resto ici, donc c'est prévu avec Alexis, ne hein, vous inquiétez pas. Et les autres fois, il viendra avec nous, hein, je pense, parce qu'on alternera, mais bref. Donc on est super content d'être arrivé. David est parti mettre de l'argent dans le parc maître, parce que même... dans un village reculé du Tarn et des parcs-mètres. Donc c'est un village touristique et qui est très mignon. Et son point fort, c'est que c'est un village médiéval. Donc on va monter jusqu'au tout en haut du village médiéval. Et ça va être super sympa. Ça va être dur la montée, mais on va prendre notre temps. Enfin moi, je vais filmer et tout. Donc je suis bien contente. Donc, c'est cool. Bon, finalement on va prendre le petit train pour monter jusqu'au village. Donc en fait, donc là il est dans 10 minutes et après on peut redescendre l'après-midi à partir de je sais plus quelle heure, enfin midi 15 ou 14h45, mais de toute façon je pense que du coup on peut pas manger là-haut au final plutôt que de manger en bas. Donc ça va être trop sympa. Nous voilà dans le petit train. Thank you.
Donc voilà, donc la table d'Yvonne, c'est superbe. C'est tout à l'ombre là. Voilà. Et tous les plats sont issus donc de leur atelier de fabrication. Tous les produits sont faits sur place, etc., etc. Donc c'est tous les trucs régionaux. Donc c'est vachement bien. On a pris nous confit de canard, parce que comme il fait très chaud, on avait besoin de manger frais. Lol. On a pris confit de canard et sa poêlée de cèpe avec des tagliatelles sauce aux cèpes. Une fois qu'on aura mangé ça, c'est sûr. On sera bien. C'est bon, oh, la vache. Ouais, ça se voit. Oh. Ah. La sortie du resto, c'était très agréable, très sympa. Oh là, il y a une jolie place. Je vais attendre David qui paye. Parce qu'il faut bien que quelqu'un paye. Ouais. Voilà, jolie place. Alors, je pense qu'on va pouvoir... Enfin, on va aller voir si on a un point de vue, là. Oui. Bon, voilà, on va se rentrer, il fait très excessivement chaud, c'est très très dur. En fait, on n'a pas pris le train pour redescendre alors qu'on aurait pu. On est redescendu vraiment tout à pied, comme ça, on a vu les petites ruelles bien sympathiques. Ok, voilà, donc ouais, il fait grave chaud. Et là, on va se rentrer, on en a pour une demi-heure de route, au moins. Et du coup, puis on va profiter de la piscine après. Donc voilà. Voilà, on est rentré à la maison. Je vais pas laisser, je vais fermer, je vais les mettre dehors. J'ai tiré le store en fait. Voilà, bon, alors, ici tout content d'être resté là. Je me suis servi un coca avec des milliards de glaçons. Désolé pour les bruits. J'ai bu de l'eau aussi, ne vous inquiétez pas. Là, j'allais m'installer dehors et que mon coca. J'ai perdu le bouchon. Ah non, il est là. J'ai tiré le store pour être à l'ombre. On avait tout fermé à la maison, donc il fait super frais, donc c'est super agréable. Ça, c'est bien cool. Hop, je vais m'installer. Juste siroter mon coca. Et puis après, faut que je regarde comment est la piscine, si elle est en plein cagnard ou pas. Ça, si on met de la crème.
pour y aller. Donc voilà, c'était super, hein, franchement, le village de Corte, là, c'est vraiment top. Hop. Top, top, top. Ouh la vache. Oh, ça cogne. Oh, j'ai l'air toute pâle. C'est un, vraiment un village super beau, super agréable, genre du montage à faire. Je verrai ça plus tard. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est con parce que j'ai envie de profiter d'être mon thème, mes stories et tout. Mais comme je capte pas bien, ça va être compliqué. Mais bon, bref, c'est pas grave, je vais me poser 5 minutes. Puis je vous dis, après, on ira à la pistoche. Ouais, elle est en plein cagnard. Donc on va être bien dedans, mais il va falloir se mettre de la crème parce que c'est très très. De la crème et des casquettes parce que c'est très traître. Hier l'eau était 27, l'eau de la piscine. 26. Je sais plus. Enfin bref, j'essaierai de filmer quelques scènes, mais ça, je sais pas si je vais pouvoir parce que en fait c'est une piscine où on monte par une échelle tellement elle est grande. On va à l'intérieur, donc je pourrais pas emmener la caméra, il n'y a rien pour poser et tout. Donc voilà, bah écoutez, bon, peut-être qu'on a la GoPro, hein, je sais pas si elle est chargée. Mais sinon, sachez que même si je filme pas la piscine, on va à la piscine. Si j'y pense, j'aurai quand même l'appareil pour filmer le petit poulailler que j'ai montré en story. Allez, je vais me poser. Bon les gars, on part à la piscine. On dirait que je vais à 10 km. En fait, non. C'est juste là. C'est cool. En plus, on avait... On a quand même accès à des jeux, enfin des jeux, des frites, des planches, vous savez. Oh putain, ça cogne, ça rase. Je me plains pas, on se calme. On se calme. Hop. Tu peux prendre une frite, Alexis, hein? Même pas de nager avec des frites. Je vais vous montrer le poulailler. Et David, il est dans l'eau. Il nage. Donc là, on a accès aux frites. Planche. Et voilà le poulailler. Oh, regardez. T'as vu, David? Il y a des petites poules, David. David, David. Il y a des toutes petites poules. Coucou. Oui. Oh. Voilà. Regardez, petit coq. Petit coquelet. Elle est bonne l'eau? Elle est à combien? Elle est à 4,5. Bah, c'est sûr que la toute première fois, mais tout de suite. Bah oui, de toute façon, il fait tellement chaud que. Bon, attends, on va le dire. Donc voilà. Regarde bien le frère. Elle est à 28. 28. Bon, allez. Je suis pas une lune. Je suis pas une lune. Allez, je les rejoins avant. Bon, allez, je vais dans l'eau. Ciao.
méga baignade, trop bien. Oh, il y a un frelon. Il y a un frelon. Un frelon. Il y a un frelon. Il est dans l'eau? Non, il est là-bas, mais il y a un frelon. Il est au-dessus de l'eau. Ah ouais, bon, il va partir. Voilà, on s'est super bien baigné. David, il est sorti. Ah, ça va aller? C'est pas évident parce que l'échelle, elle est très haute. Je vais filmer après qu'Alexis soit passé. Mais c'est pas très stable, donc c'est impressionnant. Je pourrais pas faire les poteaux à Koh-Lanta. Ça fait chaud, je me serrette. Et en fait, si, parfait. Ça fait trop du bien. Ah, la GoPro, elle est restée là-bas. Alexis. Heureusement qu'on a le flotteur. Hein? Donc voilà, c'est vraiment sympa. Oh, allons. Oui? Je pose où mon pied? Bah, dans l'eau. Il y a des guêpes, non, mon pied. Non, il n'y a plus de guêpes, là. Viens. C'est accroché dans le truc. Je sais plus ce que je disais. Je sais pas. C'est la salle jaune, toi, ce que j'ai pris la tête. Voilà. Ouais, regardez l'échelle. En fait, elle est bancale. Elle est hyper bancale, mais elle est trop bien, la piscine. Ah, putain, j'ai vraiment... Ah, il y a le frelon. C'est pas frelon, ça, je crois. Il est frelon. Tu vas porter ton masque, on va retourner là-bas. Ouais. Oh, c'était génial. Non, on va y retourner. Bah, peut-être, ouais. Moi, je suis pas sûre, mais j'ai fait des... Hop. Non, rien oublié, là. C'est avec le bruit des cigales, là. Ouais. Allez, c'est parti. Et puis ce soir, ça sera apéro. Enfin, ça va être la totale. Ça va être génial. Ouais.